Voilà, bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi, c'est Adrienne, Première Dame Adrienne, la star à papa. Beaucoup ici sur YouTube me connaissent sur mes vidéos télé-réalité, mes vidéos un peu beauté, mes vidéos conseils, mes vidéos en famille, des lives, des opinions, everything, name it, je l'ai fait dans la communauté. D'autres, vous me connaissez sur Instagram, Instagram Adrienne, Première Dame. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de très spécial parce que vous allez découvrir Adrienne autrement. Je vous ai promis pendant longtemps notre nouvelle série des Adri Finance. Je vous dis en tout cas, quelque chose de bien, ça nous dit toujours d'attendre. Vous avez attendu longtemps, pendant longtemps, Adri Finance. Et aujourd'hui, Adri Finance est dans vos maisons, dans vos écrans, partout. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir votre première édition des Adri Finance. Je vais m'expliquer déjà pour ceux-là qui ne connaissent pas, ceux-là qui ne savent pas, qu'est-ce qu'est Adri Finance. Moi, Adrienne, je suis dans les secteurs des finances. Ça va faire plus de 12 ans, donc 12 ans de carrière. Pour ceux-là qui connaissent, hein, maintenant on va parler professionnel. Je sais que ce genre de vidéos va attirer l'audience professionnelle, les gens qui ont envie de comprendre, les gens qui ont envie d'apprendre quelque chose, voilà. Donc moi, j'ai fait des études en comptabilité finance ici en Angleterre et je suis même allée loin. J'ai un master degree sur you know, les domaines. Pour mon, comment on dit ça, mon experience, c'est que j'ai fait pendant toute ma vie, j'ai travaillé dans des banques, ok, j'ai travaillé dans de grandes banques ici en Angleterre, j'ai travaillé chez Nationwide, j'ai travaillé chez Barclays, j'ai travaillé chez Santander, j'ai travaillé chez Lloyds and HSBC, ok? Mais je ne peux pas vous dire là où je travaille maintenant, juste pour les 10 pieds, voilà. Donc, Adri Finance, c'est un autre nouveau rubrique dans la chaîne qui va vous donner le conseil comment gérer l'argent. Je sais que nous tous, nous avons l'argent. Il y a des gens qui sont vraiment bien, ils savent comment s'en sortir, comment ils gèrent leur argent. Et d'autres personnes sur l'argent, ils ne savent pas. You know, tous ces temps de ma vie, j'ai passé le temps à aider les gens comme vous, mes abonnés. Je donne le conseil financier, comment épargner, comment checker le credit scoring, comment est-ce que tu sais, tu peux savoir comment est-ce que ton nom est là dans les databases. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont le nom. Je sais bien, dans la communauté, on dit « Kombo et Beba ». Qu'est-ce qui se passe pour que ton nom puisse devenir comme ça? Je sais aussi, même si que ton nom n'est pas bien, comment est-ce que tu peux faire pour nettoyer ton nom? J'essaie de donner des conseils comment libérer les gens qui sont dans des dettes. Même voir le conseil comment gérer l'argent dans la famille, comment épargner, enfin d'acheter une maison. En tout cas, ça c'est un programme qui va concentrer sur les finances, gérance de l'argent. Pour ce qu'on appelle overview, aujourd'hui, tellement que c'est juste l'introduction, on va un peu parler de tout, mais on aura maintenant des sujets que nous allons commencer à débattre sujet par sujet. Aujourd'hui, spécifiquement, nous allons parler des X, demain, nous allons parler des Y et les lendemains, et voilà, ça va se dérouler comme ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des comment est-ce que nous, hein, le Congolais, on gère l'argent, quoi, en fait. Surtout les mamans, soit même les papas, ils sont dans ce qu'on appelle les makelemba. Les gens mettent l'argent ensemble. À la fin du mois, quelqu'un gagne. Par exemple, vous êtes à 10, vous mettez 50, 50, 50. À la fin du mois, quelqu'un gagne et tout, voilà. C'est l'argent qui tourne entre les mains des mamans et tout. Et cet argent, à la longue, ça ne produit rien. À la longue, c'est seulement l'argent, ton argent que tu as épargné dans la main d'une personne. Ça ne te donne pas les intérêts. Ça ne montre pas à la banque que tu peux aussi garder de l'argent. Beaucoup de nos mamans pensent que mettre l'argent dans les makelemba, tonting, comme on appelle ça, ça te donne, you know, c'est bien, c'est quelque chose de plus mieux et tout. Mais financièrement parlant, lorsque toi, tu prends seulement ton argent, aux OP, ça ne rend pas maman likelemba. Elle garde. À la fin des, je ne sais pas, 20 personnes, toi, tu gagnes l'argent. La banque n'est pas au courant que tu es quelqu'un qui peut garder de l'argent. Pourquoi? Parce que lorsque tu reçois de l'argent, tu le sors de ton compte pour enfin que ça aille dans les mains d'une personne. Pour toi déjà,
le robot là va dessiner ton picture, like ta photo en fait, que tu gagnes 1000 euros, tu soutires 250, et que quelque part qu'ils ne savent pas, et que peut-être tu n'as pas de saving. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, quelqu'un qui ne garde pas l'argent dans son compte d'épargne, comment est-ce que tu voudrais qu'un jour, si tu es dans les besoins, venir dans la banque pour qu'on puisse t'apprêter? La banque ne sait pas ton comportement, comment est-ce que tu te comportes financièrement. Je ne sais pas si vous voyez, mais on va élaborer dans des projets, dans des prochains topics. Au numéro 2, lorsque on te donne une maison, on va vraiment parler de ce qui se passe dans nos vies actuelles. On te donne une maison, peut-être les gens vont te dire que ouais, va, prends tout à crédit. Oui, c'est bien. Je sais que les gens ont profité énormément de ça. Mais des fois, ce sont ces genres de crédits qui abîment le nom des mamans dans la société. Ce sont ces genres de crédits qui va faire au fur et à mesure que tu ne supportes pas payer. Tu as pris les canapés 5 ans plus tard. Tu continues toujours à payer pour un canapé que tu avais pris en 2015. Et démodé, et ça sous bien t'aimé. Mais toi, financièrement parlant, tu as toujours ces fardeaux-là. Ça devient fatigant. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à default sur ces paiements-là. Et les conséquences, combo ne komo beba, malim malim, pour quelque chose que tu as pris 5 ans, mais qui va t'impacter toute ta vie. Tu vas faire une application pour acheter une maison, on ne va pas t'accepter. Tu vas commencer à faire des applications de loan, des loans en fait, partout, demander de l'argent à crédit. Personne ne va te donner. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu n'as pas un bon nom, ok? Donc, tu n'as pas un bon nom, ça ne va pas passer. Ça, ce sont les choses que vous ne savez pas. Mais en tant que personne, quelqu'un qui est dans le finance, je vais vous aider à comprendre ces concepts-là, comprendre comment est-ce que tes applications à toi sont rejetées. Et une autre personne, il vient, il applique, il demande 50 000 à la banque, directement la banque lui donne. Une autre personne, il applique, il veut prendre une maison, directement la banque lui donne, parce qu'il y a la confiance en soi. Nous allons aussi parler de ce qui est comment te comporter financièrement pour que tu puisses avoir un très bon nom. Très bon nom. Ça veut dire, si tu es ici en Angleterre, tu dois être enregistré dans le electoral roll, tu dois avoir le droit de voter, ton adresse, tu dois être quelqu'un qui a un compte d'épargne. Beaucoup de gens ne savent pas. Quelqu'un qui a un compte d'épargne que la banque peut vérifier et tout, et savoir si tu es bien financièrement. Tu dois avoir une carte de crédit. Une carte de crédit, ça peut aussi t'aider à booster le point. Comment que tu peux monter ces points-là? Parce que lorsque tu vas appliquer les applications, on va regarder juste ton nom, on regarde combien de points tu as. Si tu as moins de 500 points, tu ne passes pas. Donc, je sais bien que les credit cards, les cartes à crédit, des fois, ça devient quelque chose qui peut, à la longue, te causer tort si tu ne sais pas comment utiliser ça. On te donne une carte de crédit de 10 000. Tu te dis, oh my God, let me go Kinshasa. Tu commences à faire les valises pour aller à Kinshasa avec l'argent des crédits. Alors, tu ne sais pas les modalités. Comment est-ce que tu dois repayer, faire les repayements de cette carte-là? Tu commences à utiliser ça. Du coup, voilà. Il y a eu d'autres personnes qui ont eu des business loans. La pandémie est arrivée. Les banques ont ouvert les mains. On a offert les gens 50 000. Si tu as un business, j'étais dans ce projet-là, on offrait les gens des 50 000, 50 000. Ici en Angleterre, on appelait ça BBL Loan. Beaucoup de nos sœurs congolais ont pris ça. Vite, ils sont partis acheter les parcelles au Congo. Beaucoup ont pris ça, ils ont fait des containers, ils ont commencé à faire oui, alors que c'est bien, la famille va voir que tu sais, tu as de l'argent et tout, mais à la longue, ce sont des trucs que si tu ne sais pas comment te gérer, comment repayer, ça peut te causer vraiment, vraiment beaucoup de tort. Ça va te causer de tort. Peut-être tu as besoin de faire quelque chose de grand pour tes enfants. Ce sont tes enfants qui vont souffrir parce que personne dans une banque va même regarder ton nom parce qu'on va te mettre dans le bracket de quelqu'un qui n'est pas trustworthy. Si on te classe déjà comme ça, tu es mort. Tu es déjà déclassé. Voilà, parlons maintenant de car finance. Les voitures, les filles que vous voyez avec des cars neufs,
bah, voiture à 6K. Tu te demandes pourquoi ta copine a une voiture nouvelle et toi tu n'as pas et tout et tout. Pour ceux là qui ne savent pas, la majorité des voitures neuves, ils se sont pris en finance. Les gens prennent ça à crédit et puis vous allez commencer à payer. C'est juste comme une maison. Vous allez commencer à payer ça par mois, mensuellement. Et aussi, pour qualifier de ces genres de voitures, again, il faut que ton nom puisse être clean. Il faut que tu puisses avoir un très bon nom. Très bien, très bon nom. Pendant que moi-même, je ne vais pas conseiller aux dames, aux mamans qui me suivent, ou même les jeunes hommes, les jeunes filles qui me suivent, d'aller prendre les voitures en finance. Il y a toujours des options. Tu peux prendre une deuxième main qui est bien et tout et tout. Ça va aussi t'aider à faire monter les points sur... Lorsque je dis faire monter les points, peut-être les gens ne comprennent pas. Ici en Angleterre, on a ce website qui s'appelle Experian, ok? Tu peux aller là-bas, tu t'enregistres. Primo, c'est d'abord gratuit. Tu mets ton nom, tu mets ton adresse, date of birth. Ça va te donner tout ce qui est maté, tout ce qui est information financière sur toi. C'est en ce moment-là que tu vas commencer à comprendre, oh, c'est ça qui affecte mon nom. Ah, je n'avais pas payé la facture de Anglia Wood, je n'avais pas payé la facture de l'eau quelques mois passés. C'est ça qui est maintenant en train de causer que mon nom est devenu rouge. Parce que ton nom peut être rouge, ton nom peut être bleu, vert, ton nom peut être yellow. Si ton nom est rouge, personne ne va te donner quelque chose. Ton nom est yellow, tu vas toujours avoir des... On peut te donner, mais tu vas payer les intérêts qui sont ici. Par exemple, si quelqu'un, son nom est en catégorie vert, voilà, ils vont prendre un nom, ils vont prendre, comment on appelle ça, son crédit à lui, on va lui donner à 2%. Toi qui as ton nom qui est en yellow, hey, ton crédit, les intérêts seront un peu élevés parce que personne n'a fait confiance en toi. Ils savent que tu es quelqu'un de risquant. Si on te donne de l'argent, tu peux aujourd'hui fuir, tu peux aujourd'hui faire babyoma et tout et tout. Voilà ce qui se passe de ça du côté de voiture et tout. Donc, on a parlé des quelques sujets sur ces points. Il y aura beaucoup de sujets à élaborer. Je vais vous expliquer les procédures, comment on achète de maison. Comment on peut investir dans des maisons, comment vous pouvez gagner de l'argent à la maison, juste how to gain passive income, comment tu peux être à la maison et puis créer d'autres business qui peuvent te ramener un peu beaucoup de finances et comment aussi être financièrement free, comment ne pas toujours dépendre du crédit, comment ne pas toujours, comment est-ce que tu peux avoir ton argent à toi, tu utilises ton argent pour te faire de l'argent. Lorsque vous êtes dans les Makelimba, lorsque vous êtes dans le Tonting, voilà, je ne sais pas, ça ne vous rapporte rien. Ça vous donne juste les montants. Ça ne vous donne pas les intérêts. Ça ne vous donne pas les points. Ça ne vous donne rien du tout. Donc, ta vie est juste collée là. Tu sais que tu gagnes 1000 après 20 semaines. C'est ces 1000-là que tu vas gagner. Pour moi, c'est d'abord, it's a waste of time. Je vous parle du point de vue financier. Peut-être pour ma maman, elle va vous dire, aïe, aïe, ça bien. Pour la bon bimbo, on a la ligne banquée. Il y a d'autres personnes qui disent, oh, je vais garder l'argent à la maison. Je ne veux pas que la banque puisse connaître. La banque n'est pas connectée avec les gouvernements. Il n'y a aucune personne du gouvernement qui peut venir aujourd'hui. Coco, Barclays, Coco, HSBC. Est-ce que tu peux nous ouvrir le compte des messieurs XY? On veut juste checker. Ça ne se passe pas comme ça. Sauf si on est en train d'investiguer sur toi, sur ce qui est le fraude, tu as fait quelque chose de grave en ce moment-là. Même la police, même les gouvernements, ils ont le droit de venir à la banque et obtenir. Peut-être si tu vends quelque chose, je ne vais pas citer le nom, YouTube n'aime pas. Si tu vends les trucs là que les hommes mettent au nez et tout, tout, vous voyez ce que je veux dire. On va écrire ça à côté, vous allez voir. Si tu vends ça, tu as l'argent qui n'est pas bien. La banque est toujours contre les money laundering. Quelqu'un peut avoir commencé à recevoir l'argent du côté des trucs de terrorisme, hein, vendre des armes, trucs pareils. La banque n'aime pas. Et même aussi blanchissement d'argent. Il y a d'autres personnes ici en Angleterre, soit en Europe, leur nom s'abîme. Tu es en Europe, tu es trop jeune, tu ne sais pas ce que c'est le nom, ce que c'est avoir une vie financièrement clean.
il y a un garçon ou un messier qui s'approche à toi pour te dire, ah Adrienne, écoute, j'ai 1500, je vais transférer ça dans ton compte. Est-ce que toi, tu peux prendre ça et mettre dans le compte des X, mettre dans le compte des Y, mettre dans le compte de l'autre personne? Tu es flou, tu ne sais pas. En tant que petit, en tant que jeune, il te dit, je vais te donner 200 livres si tu fais ça. Tu vas dire, waouh, non, 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 give it to me. Et puis, c'est toi qui vas entrer vite dans ton online banking. Tu as juste reçu l'argent qui vient des dealers. Tu as reçu l'argent de quelqu'un qui est déjà flagged. Lorsqu'on dit son nom est flagged, ça veut dire tu as un red flag. Dans les banques, il y a des personnes qui ont de red flag. Ils ont des red, ça veut dire drapeau rouge. À côté de ton nom, il y a déjà un drapeau rouge. Si tu as un red flag, ça veut dire que non. Lorsque tu appelles, lorsque tu viens à la banque, déjà là, on ouvre seulement ton dossier, on te voit red flag, on peut déjà appuyer un bouton, la police peut venir. Donc, tu es quelqu'un qui est toujours à l'alerte. Et si toi, tu reçois de l'argent venant des gens qui ont le red flag, pour toi, ça va causer du tort dans ton nom. À la longue, ça peut. À la longue, tu commences à déposer l'argent dans ces genres de petites banques, petites transactions. La banque peut fermer ton compte, on va abîmer ton nom. Il y aura beaucoup, beaucoup en tant que jeune. J'ai vu des jeunes en train de pleurer. Ils ne savaient pas l'impact. Ils vont appeler, ils vont dire, je ne savais pas, il y a cet homme qui m'a dit ça, on va juste me payer. Et j'ai commencé à les faire. Et puis moi, je ne savais pas. Mais c'est la fraude. C'est l'argent sale. Que toi, tu es en train, on appelle ça blanchissement d'argent. Que toi, tu es en train de blanchir. Donc voilà, ça ce sont les genres des conseils, les genres de topics que vous allez apprendre ici. C'est pas, en tout cas, la liste n'est pas exhaustive. We didn't, you know, on n'a pas, j'ai pas parlé de tout ici, mais au fur et à mesure de notre show, au fur et à mesure de tout, 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 vous allez savoir comment vous gérer financièrement. Ok, si vous avez des questions particulières concernant votre dossier, parce que chaque client ou chaque customer a son propre profil. Vous pouvez me contacter sur Instagram, vous pouvez aussi me contacter sur mon email adresse. Mon email adresse est connecté sur ma page Instagram. C'est adricab2@yahoo.fr. Je suis là, je réponds. Même sur Instagram, vous pouvez me contacter. Donc voilà, tel est les concepts, le nouveau concept des Adri financiers en show. À ne pas manquer, la rediffusion sera chaque dimanche ici sur YouTube. Donc, connectez-vous, partagez la vidéo et vous n'allez pas être déçu en fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était bel et bien Adrienne, comme je vous ai dit, première dame, la star à papa. On va se retrouver à très bientôt. Bye bye. Personne sur l'argent, ils ne savent pas comment. Can you stop, please? This is cool. Combien de minutes?